Quel âge que t'as, ma jolie, pour t'attifer de cette manière. Tes lunettes et ta mélancolie, laisse-les donc pour quand tu seras grand-mère. Dans ta chambre si bien rangée, il fait froid, il fait soif, il fait faim. Il faudrait, pour te réconforter, un petit peu de l'éternel masculin. Je pense que tu te lèves trop tôt, surtout si c'est pour étudier. À quoi ça sert le bachot, si t'as pas le temps de batifoler? C'est pas l'envie qui t'en manque, seulement t'aimes les grands sentiments. Oui, mais si t'as pas de compte en banque, la vertu, c'est décourageant. Tu me dis que t'es trop timide, moi je te jure que ça ne m'étonne pas. Comment veux-tu être intrépide, si t'es mise comme un pot à tabac? Enlève cet inexpressible en coton qui te vient de ta mère, ces lunettes, cette jupe nuisible, ces chaussures de nonagénaire. Cet homme qui te voulait des choses en te suivant dans la rue, t'en es devenu toute rose. Pourquoi t'as pas voulu le suivre dans ce café où qu'il y avait du néon, des frites et de la fumée, des liqueurs et de l'accordéon? C'était peut-être bien l'occasion de perdre ta mélancolie, tes complexes, tes illusions, de sortir de ta léthargie. T'as plus qu'à rentrer chez toi, dans ta chambre incombustible, avec ta faim, ta soif, ton lit froid, tes lunettes et ton inexpressible.